On a clamé la présence de Dieu dans l'homme de Dieu qui va bien pour enseigner nous à soi. Bon Dieu bénis nous. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Nous disons bon Dieu merci, nous baillons bon Dieu, action de grâce, et qui permettent que nous sommes capables de pas bon ici, pour nous capables de continuer le venant bon Dieu, adorer nous en esprit en vérité, et pour nous capables de partager ensemble avec vous la parole de Dieu. Nous saluons chaque monde qui ici a, qui fait sacrifice malgré tant par tes fines en forme. Donc que mon Dieu, notre grâce, il va continuer de verser faveur à travers la vie. Et nous saluons tout chaque monde qui a suivi le message par le moyen des multimédias. Nous allons lire la parole de Dieu dans 1 Pierre, chapitre 1er. Nous allons considérer le verset 14, le verset 15 et le 16e verset. 1 Pierre, chapitre 1er. 1 Pierre, chapitre 1er, le verset 14 à 16. L'Assemblée a prié de se lever pour la lecture de la parole de Dieu. 1 Pierre, chapitre 1er, les versets 14 à 16. Est-ce que nous là? Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Parole du Seigneur au Kamabchita. Je pense que 60 ans, sorti dans un thème, levons et célébrons Dieu pour cette soixantaine dans l'unité et dans la sainteté. Et semaine ça, nous gagnons un sujet qui sorti dans le thème ça, qui c'est la vision de Dieu de la sainteté ou bien de la sanctification. Et mes frères et sœurs, il est important pour que chaque monde qui a marché avec bon Dieu, il a gagné une révélation sur le Dieu de la sainteté. Pour qui raison un monde qui a marché avec bon Dieu, t'as doit connaître le Dieu de la sainteté, c'est qui est lié? Parce que l'impossible pour un monde mener une vie qui est sainte sans que au préalable il pas gagne une idée de la sainteté de Dieu. Donc c'est peut-être ça. Donc la vision de Dieu de la sainteté est très importante pour ta connaître, pour capable mener une vie chrétienne qui est marquée par la sainteté. Et à Soya, nous t'aimons parler de deux éléments seulement, parce que nous n'avons pas assez de temps. Premièrement, nous t'aimons définir pour vous le mot saint. Deuxièmement, nous t'aimons ouais, avec vous la sainteté de Dieu. Lorsqu'on parler de saint, la sanctification, c'est quoi? Et deuxièmement, nous t'aimons parler sur la sainteté de Dieu. Est-ce qu'on songe ça? Le bon Dieu t'a parlé avec Moïse pour Moïse t'a construit le tabernacle. Ou après, bon Dieu t'a dit Moïse, ou va construire le tabernacle là selon le modèle que vous avez en l'air. Donc, tout ça qui fait sur la terre pour le faire bon Dieu plaisir, il faut le sortir dans l'éternité. Pour yon monde mener une vie qui sainte, ça dépend de ça loué dans bon Dieu. Est-ce qu'elle a une vision sur la sainteté de Dieu? Donc, la sainteté, c'est quoi? Le mot saint, c'est quoi? Dans l'origine, mot ça, donc le mot saint, il sortit dans un mot hébreu qui c'est kadosh. Il sortit dans un mot grec qui c'est agios. Et tous les deux mots ça, ils voulaient dire mis à part pour Dieu,
séparation avec le péché. Et une troisième définition qui c'est la consécration. Je reprends. Le mot saint, li sorti dans deux mots, yon mot hébreu et yon mot grec. Mot hébreu li c'est kadosh et mot grec là li c'est agios. Tous les deux mots ça yo, yo vle di ki ça, yo vle di mis à part pour Dieu. Li vle di tout séparation avec le péché. Li vle di tout la consécration. Donc là yo di yon moun saint. Pour qui ça veut dire c'est parce que lycée parce que il séparé avec le péché. C'est un monde qui met elle à part pour le service saint de Dieu. Donc c'est ça mot saint on veut dire et qui ça la sainteté de Dieu est. Parce que nous t'ai dit que n'a parlé sur le mot saint et la sainteté de Dieu. Mes chers amis, Dieu est saint. Dieu lit absolument les saints. Donc la sainteté de Dieu qui s'allie, la sainteté de Dieu c'est l'essence même de la nature de Dieu. Donc même Jean si m'apprend l'homme, si m'apprend le corps de l'homme lui fait avec poussière, et pas vrai? Dieu prend poussière dans Genèse 1er, il prend de l'eau, il met dans poussière, il font la boue, il font masse et puis il prend souffler le souffle de Dieu là-dedans. Maintenant, le corps de l'homme l'est fait avec poussière. Et en dépit de Jean, l'homme qui a frais, en dépit de Jean, l'homme qui a belle, l'homme égale la matière de l'homme. Ça veut dire le corps de l'homme l'est sorti dans la poussière. Et l'homme met sauté pompé, l'est pas plus qu'une poussière. L'est met sauté pompé, l'est met pas d'accord, pas accepter ça, gourmé à ça. Le corps de l'homme, même sauté toute couleur, ou pas plus que yon poussière de terre qui ont mette de l'eau là-dedans, yon fait l'on masse et puis yon souffle là-dedans. Bon Dieu bénit l'église. Donc, mes chers amis, même Jean moins dit que le corps de l'homme l'y fait avec la poussière de la terre. Donc, la poussière, c'est l'essence de l'homme, l'essence du corps de l'homme. C'est même Jean tout la sainteté de Dieu. C'est lui-même qui fait mon Dieu s'allier. Ben, moi, bon. La sainteté de Dieu, c'est l'essence même de la nature de Dieu. Donc, bon Dieu, pas qu'à s'allier sans la sainteté. La sainteté, c'est lui-même qui permet bon Dieu s'allier. Et si on retire la sainteté, bon Dieu, absissement le bon Dieu. Amen. Parce que la sainteté, c'est l'essence même de la nature morale de Dieu. Et lorsque nous regardons à travers le livre Ésaïe, ou après que livre Esaïe parlait de expression ça le saint d'Israël. Donc Esaïe, il y en a non que le parler de mon Dieu dans Esaïe 30 fois, plus de 30 fois, il parlait de le saint d'Israël. Donc Dieu est le saint d'Israël. Mes frères et sœurs, Dieu est saint. Ça veut dire bon Dieu saint, ça veut dire bon Dieu est libre de toute souillure. Bon Dieu pas une pièce crasse péché là-dedans. Bon Dieu pas gagne même 0% péché là parce que bon Dieu dans nature il est saint. C'est l'homme qui fait dans le péché mais bon Dieu lui-même il c'est un Dieu qui saint. C'est ça lié même. Donc Dieu est saint, il pas de souillure la cali. Et prêtez-moi attention. Dans toute bagaille bon Dieu qu'a fait c'est l'on bagaille il va faire. C'est le péché. Vous entendez mon Dieu tout puissant, il a fait tout le bagaille. Même avec mon Dieu défi pour le faire péché. Il n'est pas capable. Et ça fait tout côté de péché, mon Dieu, qui a un problème. Parce que nature ne pas permettre pour le faire mal. Nature ne pas permettre pour le un pécheur qui vivre dans le péché et puis pour qu'elle content. D'ailleurs, il y a une définition avec le péché. Il dit que le péché afflige le cœur de Dieu. Donc si on moun bon, si on moun voulait faire bon Dieu passer un mauvais jour dans ville, c'est pour moun ça péché. Parce que automatiquement moun ça péché dans ville, le cœur de Dieu lui attristé. Pour qui ça? Parce que bon Dieu naturellement saint, il pas ka wè le péché. Il pas ka wè le péché. Donc mes frères et sœurs, ou a songé que à travers l'Ancien Testament, dans Exode chapitre 27 surtout, verset 19, ou après que bon Dieu te dit, tout ça yon retire pour lui, yon doit saint.
Depuis son bagage ou désir à bon Dieu, la Bible déclare automatiquement, bon Dieu réclame mon bagage, il est tout sanctifié. Ou après, premièrement, tu as les personnes dans l'Ancien Testament, les sacrificateurs, parce que dans ce maintenant, d'après ça, avec de plus de profondeur, ou après que les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs, bon Dieu, tu es où ça, ce sont des gens qui sont saints. Deuxièmement, non, Exode 27, verset 19, ou après, bon Dieu dit tout ustensile, tabernacle a été gagné, quel son vaisseau, quel son godé, quel son saltaire, depuis son ustensile, dans le tabernacle, bon Dieu réclame et bon Dieu dit son bagage qui est saint. Et ou après, à travers l'Ancien Testament aussi, tu as gagné les lieux. Est-ce qu'on te connaît? Tout côté, bon Dieu, passé, la sainteté passée avec elle. Est-ce que l'église est là? Tout côté, mon Dieu, mette pied, la sainteté obligée à accompagner. Pour bien dire, même jour où un président, les présidents déplacés, il a toujours besoin d'un cortège ministériel. Les présidents déplacés, il n'a pas jamais déplacé vous contre lui. Il a toujours un corps diplomatique ensemble avec lui. C'est même gens tout. Si m'a dit bon Dieu son président, m'a dit bon Dieu pas déplacé sans la sainteté. Bon Dieu pas déplacé sans la justice de Dieu. Bon Dieu pas déplacé sans la fidélité de Dieu. Bon Dieu pas déplacé sans l'amour de Dieu. Ça veut dire côté bon Dieu passé, lui râler la sainteté, lui râler la justice, lui râler l'amour de Dieu, lui râler tout attribution parce que bon Dieu pas jamais fait rien sans pas accompagner avec la sainteté. Donc la sainteté, il va pas séparer de Dieu. Il va pas séparer de Dieu. Et ça fait une façon car le bon Dieu même sous parler le Dieu ou car le saint. N'a pas ça dans ce maintenant. Ou après Esaïe, non Esaïe 6, ou après il pas dit Dieu non, il dit saint est l'Éternel des armées et toute la terre. Vous comprenez ça me dit donc une façon que bon Dieu ou car le bon Dieu ou car le saint. Le saint. Mes frères et sœurs, vivre dans la sainteté, ce n'est pas un choix lié, mais au contraire, c'est une obligation. Bon, moi, bon. Vivre dans la sainteté, ce n'est pas un choix que lié. Ça veut dire que je choisis aujourd'hui pour me sanctifier, demain, si je veux pour me sanctifier, moi, d'avril, ça pour me sanctifier. Que des gens qui entendent parler de la mort de Jésus, la résurrection de Jésus, bon, ils sanctifient. Que des gens c'est dans la semaine sainte là. La compte valeur sanctification. Ça, c'est un gros problème. Un chrétien, ce n'est pas une semaine là pour être sanctifié. Mais au contraire, la vie du chrétien, il est de base la sanctification. Et ça fait texte à dire dans 1 Pierre là. Il dit même Jean, les gens qui sont là, ils sont saints. Et puis il dit, soyez saint dans toute votre conduite. Même Jean, bon Dieu qui parle pas dans les saints, ah ben moi-même qui a servi mon Dieu, moi dois sanctifier. Donc quand on est là, c'est pas un choix fait pour sanctifier. C'est pas un bagage qu'on choisit. C'est pas une période où on dit, bon, période ça là, moi dans le jeûne, pendant dans le jeûne, non, bon, me dit, moi me sanctifier. La sanctification, il n'y a pas rien à faire avec un jour, avec une période. Mais la sanctification, c'est un état lié qui je vais vivre. Donc la sanctification, la sainteté, ce n'est pas un choix qu'on fait, mais c'est un impératif. Son bagage ou pas capable faire. Son bagage, Dieu prescrit. Chaque monde qui a suivi, bon Dieu m'a demandé yo pour yo sanctifier. Est-ce que tu connais l'église? C'est un malheur, c'est un malheur, un monde gagné, lorsqu'il a joué avec la sainteté de Dieu. Ben moi, bon. Ça sont grand danger lorsque yon moun a joué avec la sainteté de Dieu. Lorsque yon moun a méprisé la sainteté de Dieu. Ou à début yon moun a joué avec le péché, li tout pensait qu'elle est la majeure de l'ambabole. Début yon moun a joué avec gosse péché. Début yon moun pa valeur à la sainteté de Dieu. Son moun qui pensait qu'elle est en babole et puis la marche la flâne, n'est capable de son mort en vacances. Sont morts en vacances. Parce que l'on pas connaît la sainteté de Dieu a frappé. Donc,
on ne joue pas avec la sainteté de Dieu. Dieu est saint. Et tout ça, mon Dieu, réclame les modèles pour le sanctifier. L'église, attendez bien, n'a pas plusieurs exemples. Premièrement, n'a pas Israël. Israël, bon Dieu choisit Israël pour Israël mener une vie qui est sainte. Puisque bon Dieu saint, bon Dieu choisit le peuple d'Israël. Il dit le peuple d'Israël, c'est pour nous mener une vie qui est sainte pour ne pas avoir de problème avec nous. Gardez pour eux. Dans Ézéchiel 36, verset 22 à 23, on nous lit texte ensemble. Ézéchiel 36, verset 22 à 23. Ouvrez Bible. Ézéchiel chapitre 36, les versets 22 et 23. Ézéchiel chapitre 36, les versets 22 et 23. Est-ce que l'église est là? N'a plus ensemble. C'est pourquoi dit à la maison, qui ça? D'Israël, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Qui ça le dit encore? Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël. C'est à cause de qui ça? De mon saint nom. Continuez. Que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Et puis verset 23 dit, je sanctifierai mon renom qui a été profané parmi les nations, que vous avez profané au milieu d'elles, et les nations sauront que je suis qui est-ce? Que je suis l'Éternel, dit le Seigneur, l'Éternel. Quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. Prêtez-moi attention. Comprenez dans Ézéchiel 36. Dieu a dit qu'il a choisi Israël pour Israël te sanctifier, non. Pour Israël te marcher dans la sainteté. Et puis, qui ça Israël fait? Israël a pour idole. Israël a servi idole. Israël a servi Baal. Israël a servi des démons. Et puis, les bon Dieu, ouais, ont abandonné le commandement que te baillon. Et puis, qui ça passé? Bon Dieu dépouillé le peuple là. Bon Dieu voyait le peuple là en captivité. Il y a plusieurs nations qui aiment Israël en captivité. Et il y a une nation qui t'emmène d'Israël en pile, c'est Babylone. Et vous regardez qui ça, mon Dieu d'Israël. Dieu d'Israël, ça fait quitter Babylone, mais dans tes là. Ce n'est pas à cause de vous, non. C'est à cause de cette thème. C'est à cause de nom porté. Mes chers amis, je ne sais pas bon Dieu observé à ce qu'on est petit nom. Bon Dieu observé à un grand nom. Et puisque nous, mon Dieu grand, non le saint, on peut dégager pour vivre dans la sainteté. Vous imaginez, bon Dieu d'Israël, ce n'est pas pour nous. Nous voyons en captivité. Ce n'est pas pour nous. Les Israël, les gardons, ou innocents, ou innocents. Mais le problème qui gagne, les gens qui ont péché, ils ne vont pas garder, ils ne vont pas toucher. Parce que si tu ne peux pas permettre pour me garder, qu'à vivre dans l'idolâtrie, pour ne pas faire rien. Ce n'est pas à cause de vous. Il dit à cause de mon grand nom. À cause de ma sainteté. Elle dit Israël m'a puni pour me sanctifier nom dans yeux toute nation yo. Ou ka kono bagay? Gen nation qui était ennemi Israël. Pour nation ça regarder. Bon Dieu qui était sorti avec Israël dans la mer Rouge, traverser hein, traverser canal, traverser le désert. Pour nation ça yo a regarder, c'est Israël qui met à genoux devant Baal. Bon Dieu dit ça c'est pas pour vous, m'a fait ça. Mais parce que vous blasphémez nom devant les païens. Et c'est ça qui est arrivé David. Après, lorsque David finit de tomber avec Bathsheba. Et puis qui s'est passé? David connaît le péché. Et ça fait parler que le psaume 51. Il va dire, oh bon Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande bizarre. Selon ta grande miséricorde, etc. etc. David confessait. David reconnaît la transgression. Mais là, il a fini le péché, il pensait que tout le bagage est fini. Et ça fait une différence entre le pardon de Dieu et les conséquences du péché. Bon Dieu qui doit pardonner au monde, c'est vrai, mais conséquences on l'appelle quand même. Bon Dieu qui doit pardonner ou justifier ou purifier, pas un problème, mais conséquences là. Et ça fait les bon Dieu dit David, il dit David, m'tendez prier là, m'pardonner c'est vrai. Mais il dit David, peut-être vous faire elle mieux parler mal. Petit péché a la mourir. Petit péché va le faire la mourir.
Et regardez bien pour elle, David tant de petits avant de mourir. David commence à jeûner. David jeûner. Malgré David a jeûné. Et puis un message qui vient de dire David. Il dit David, où mettre levé jeûne? Ou bien jeûner encore. Passe misère, gaspiller temps. Il dit petite là, il est mourir. Mais bien aimé, la sainteté de Dieu va me jouer. Et il y a un monde qui a joué avec la sainteté de Dieu. Ce monde qui a marché avec un secret en babral. Parce que Dieu est saint. Tenez bien, Israël, bon Dieu t'a puni Israël. Parce qu'on t'a joué avec la sainteté de Dieu. David t'a joué avec la sainteté de Dieu. Bon Dieu t'a pas frappé. Premier petit que Bathsheba t'a pas le fait. Et pour David là. Regardez bien. Si on a pour deuxième exemple, on a pour exemple Moïse. Dieu relève Moïse. Dieu dit Moïse, depuis dans Exode 3. Il dit Moïse, moi j'ai un appel sur vous. C'est où qui prend le peuple là pour conduire le canal. Gardons appel. C'est où même qui prend le peuple moyen pour conduire dans la terre sainte. Pour conduire le canal. Mes amis, les Moïse tendaient ça, les pensées sont super stallées. Parce qu'elle connaît bon Dieu, pas qu'arrive à peuple sans lui-même. Et pourtant, Moïse font Aaron phénoménal. Qui s'est passé? La caille, bon Dieu, pas un superstar. Bon Dieu, respecte le monde qui a marché dans la sainteté. Et ça fait m'a baisé combien de temps de ministère ou gagné. M'a baisé combien de temps on marche à mon Dieu. Ça va regarder, mais en vérité, même si son petit monde tout petit qui vit dans la sainteté, le plus grand, par son gros leader qui vit dans le péché. Parce que bon Dieu marchait derrière la sainteté. Depuis qu'on la sainteté qui paraît, et puis la présence de Dieu marchait. Moïse, bon Dieu dit Moïse, peuple a soif de l'eau, ou mettre parler avec Rocher. Et puis qui ça Moïse? Moïse frappe au rocher. Et puis de l'eau sortit dans le rocher. Prêtez-moi attention. Moïse frappe au rocher. De l'eau sortit quand même. Ma pose l'église en question. Qui ça bon Dieu te dit frapper ou bien parler? Je ne sais pas. Qui ça bon Dieu te dit? Il dit frapper ou bien parler? Bon Dieu dit parler avec le rocher. Moïse, qui ça Moïse fait lui? Frappe au rocher. Maintenant, si bon Dieu dit parler, Moïse frappe. Glow pas de sortir. Si mon Dieu dit parler, il désobéit mon Dieu, il frappe. Glow pas de sortir. C'est ça qui fait qu'un pile monde qui a fait ministère ou pas comprendre ça. Les bon Dieu bénit peuple, les bon Dieu veut bénir peuple, il qu'a utilisé n'importe façon. C'est ça qui fait dans Marc chapitre 7. Regardez oui, Jésus-Christ va le dire. Attendez oui. L'homme, problème l'homme gagné, c'est pas ça qui a entré en dedans, mais c'est ça qui a sorti. Dans Matthieu chapitre 7, Jésus-Christ dit au dernier jour, il y a des gens qui ont dit, maître, nous t'ai fait un miracle dans nous, maître, nous t'ai prophétisé dans nous, maître, nous t'ai chassé des démons dans nous. Jésus-Christ va dire en vérité, moi pas jamais reconnaître nous. Et l'église qui s'est passée, bon Dieu reconnaît un seul monde, c'est le monde qui marchait dans la sainteté. Vous ne pouvez pas marcher dans la sainteté, mon Dieu, pas qu'on nous. Mon Dieu, pas qu'on nous. Mon Dieu, pas qu'on nous. C'est ça que fait mes frères et sœurs. Il est très important pour chaque monde qui a servi mon Dieu. Pour regarder comment il a servi mon Dieu. Est-ce qu'il a servi mon Dieu dans la sainteté? Parce que nous, ça me dit là, il est assez fort. Et maman, de prêter ma attention pour comment ça me dit. Ou quand il y a un prédicateur, il est tombé dans le péché hier samedi. Et puis dimanche matin, il prêche un message tête chargée. Il a fini dans le discours à l'embal. Et puis dans dimanche matin, il prêche un message tête chargée. Moun béni. Quand il y a des gens qui vont dire comment ça fait. Ah, mais qui s'est passé? Les bon Dieu gardent ce Jacqueline qui habille bien cher, qui vient de l'église là. Il y a des gens qui s'appuient, vient de l'église là. Il y a des gens qui sont gros comme taxi payé pour venir de l'église là. Un pour empêcher, de mon Dieu, pour l'empêcher de la béni. On va bien te connaître. Et là, pour on est capable de péché, bon Dieu a pas péché, on peut béni à cause de nous. Moïse ou pas pour tes canards, mais peuple sauvera la patrie au nom de Jésus. Alléluia. Moïse ou désobéir, malgré tout parler ou frapper, ma foi devant Dieu, ma fait le sortir dans le rocher. Mais même cependant, a fait des canards, on en rêve pour ça.
bon Dieu pas dans l'avance. Bon Dieu pas dans l'avance. Devant cette de tel bon Dieu pas dans pièce monde là pas chez figue. Et regarde bien Moïse paraît ton l'air, Aaron fin mourir, pendant Aaron fin mourir et puis bon Dieu dit Moïse, vous mettez en jeu quoi oui. Aaron je le mets seul par là. Puis devant c'est vous même. Vous mettez en jeu quoi. Moïse vous mettez jeûné ou à mourir quand même. Vous mettez une onction visage seulement, mon pas regarder Moïse ou à mourir pour qui ça? Parce que l'aime de tout parler à vous frapper. Et puis bon Dieu, regardez qui ça, bon Dieu dit. Les Moïse fin frappé. Bon Dieu dit, peut-être ou pas sanctifier nom dans yeux peuple là, ma chou. Mais pour qui ça, Moïse mourir? Moïse pas sanctifier nom, bon Dieu, devant peuple là. Il va sanctifier nom, bon Dieu, devant peuple là. Peut-être ça, bon Dieu dit, Moïse, ou a mourir. Troisièmement, qui ça nous a, qui exemple nous a pris encore? Nous a pris exemple Belshazzar. Le roi Belshazzar dans Daniel chapitre 5. Belshazzar qui s'est passé? Il a attaqué Israël et puis il prend tout le peuple Israël là, il est entré avec à Babylone. Et puis qui ça Belshazzar fait encore? Il est entré dans le temple là, il rachète tout ça bon Dieu t'a gagné, il prend vaisseau bon Dieu yo. Ou imaginez tout le vaisseau sacré, tout le vaisseau saint bon Dieu t'a réclamé. Et Belshazzar, il prend tout gode, il prend vaisseau, il prend fouchette, il prend qui est tout net. Et puis il allait à Babylone avec elle. Bon Dieu, vas-y, rien ensemble. Et puis qui s'est passé? Belshazzar, il réunit tous les grands du royaume. Il réunit toutes les grandes têtes dans le royaume. Et puis il dit, yo, nous allons faire une fête. Nous allons remercier les démons qui étaient dans nos victoires. Nous allons remercier les idoles, nous, yo, parce que c'est eux-mêmes qui font nous battre Israël. C'est eux-mêmes qui font nous prendre coupe l'Éternel là. Nous allons faire fête pour ça. Et puis, qui ça, monsieur, fait? Monsieur rassemble depuis ses vieilles concubines qui ont gagné. Femmes de leurs prostituées. Et puis, il fait un chita sous table là. Et puis, qui est ouais, monsieur, fait? Il prend coupe, bon Dieu, dit qui c'est. Il vide du vin la donne. Et puis, prostituées. Femmes qui ont levé garçon. Ou à Belshazzar, à bamboché, à piafé, à joui, la bourre dans le couple éternel là. Et puis automatiquement, il prend le couple là, il vide dans le bouchon. Et puis, ou à Belshazzar, il y a un douet qui paraît dans le mur. Il dit Belshazzar, compte, pèse, difficile, alléluia. Il dit Belshazzar, pour des autres, ça fait là, ou mettre compte, joue, parce que joue fini, ou mettre pèse, regardez. Bon Dieu dit Belshazzar, l'aime dans le plateau, balance moi, moi, pas moi faible. Troisièmement, divisé, m'a divisé au royaume non. Belshazzar, les monsieur garde droite la cap écrit. Monsieur tremble qu'on fait moi. Parce que bon Dieu balance. Et puis qui s'est passé l'église. Belshazzar va mourir. Il va le traîner Belshazzar. Dans même soirée. Mes chers amis, Dieu pas joué avec la sainteté. Et me courage pour tout ça. Gardez bien oui. Yo prend godé à depuis dans temple mon Dieu pas dit rien. Yo porter godé à mon Dieu pas dit rien. Yo mettez dans temple côté mettez là mon Dieu pas dit rien. Le bon Dieu agit, c'est là yo prend godé à. Mon Dieu dit aïe, faut me le faire camper parce que c'est cet tellement qui en action. Et me courage pour me dire que mon qui là, yo plus qu'on godé. Si on godé qu'a fait terre, qu'a fait miracle et la vie, la vous plus qu'on godé. Quel que soit monde qui rivier sous la vie, la croiser avec la sainteté de Dieu. Seulement les chaviront royaume et ou même amen ou plus qu'on goûte ou plus qu'on vaisseau et que des mondes attendent là ou que l'âge de la nation qui en dedans la présence de Jésus Christ qui en dedans parce que Jésus Christ dit gardez et non Corinthiens il dit ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit puisque corps c'est temple Saint-Esprit pas dans rien qui va venir déchouquer la présence de Dieu à travers la vie où l'église est acclamée mon Dieu pour présence ça la présence sainte de Dieu c'est lui qui met là c'est lui qui fait chita là plus qu'on connaît moi plus qu'on connaît moi plus alléluia. Mes chers amis, dans Romains chapitre 12, verset 1 à 2, les regardez, offrez vos corps,
Je vous exhorte donc, frère, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc, à travers le Nouveau Testament, Dieu exige la sainteté. Dieu exige la sainteté. Tenez, ça me va dire pour me terminer. Bon Dieu, c'est pas derrière où bon Dieu marche. Dieu marche derrière la sainteté qui en donne. Dieu va marcher derrière pièce moune. Lui marche derrière la sainteté qui en dedans là. Et automatiquement, yon moun quitte la sainteté pour vivre dans des ordres. Bon Dieu, tout va le faire. Bon Dieu, tout va le faire automatiquement. Parce que la sainteté de Dieu, c'est lui qui râlait. Vous voyez ça, peut-être que ça dit dans Somme 34, verset 8. Il dit l'ange de l'Éternel qui ça campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache. Donc la sainteté, il râlait, bon Dieu. Il râlait, bon Dieu. Mais malheureusement, quand il y a des gens qui ne comprennent pas Somme 34, verset 8, il pense même s'il y a 5 femmes, l'ange de l'Éternel. Quel ange de l'Éternel? Même s'il a vu dans des ordres l'ange de l'Éternel. Mais quand on ne peut pas comprendre, l'ange dit l'ange de l'Éternel, ce n'est pas un ange lié vraiment. Mais ça, il y aurait ça la Christophanie, la manifestation de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Donc l'ange dit l'ange de l'Éternel, ce n'est pas un ange lié, mais c'est Jésus-Christ. Pour qui ça me dit ça? Ou après elle dit campe autour de ceux qui le craignent. Pour qui ça? Il y a un ange qui a campé autour de monde. Il y a un ange qui a campé à gauche. La campe à droite, la campe en l'air, la campe devant, la campe derrière. Mais là, dit autour, c'est l'omniprésence. C'est l'omniprésence. Il est tout content en même temps. Et regardez bien pour elle, l'ange de l'Éternel, Jésus-Christ, campe la position. Et puis regardez qui ça dit autour de ceux qui ça, qui le créent. Ça veut dire souvent que la crainte de Dieu, l'ange de l'Éternel, pas campant. Debout nos vies de péché, même sur les sommes droits. Nous sommes un jeune garçon, mais je saute dans ses balles. Et puis pendant que je saute dans ses balles, à 2h du matin, je montre la rallye. Et puis pendant que je montre la rallye, pour une bonne société croise à monsieur. Je commence à râler son 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. J'ai dit son 23, son 23, son 23. Chéri, on l'a dit quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crée aucun mal. Car je là. Et puis bon malfaiteur dit, où mettre fin réciter son 23 à manger après. Il a dit, monsieur, c'est nous, ou même Nathan, fin réciter règle somme 23 et puis confiné dans le vol là. Et finalement, malgré monsieur, fin réciter somme 23, il prend monsieur. Parce que l'évangile, c'est pas ça, on dit, mais c'est ça, il est. Alléluia. L'évangile, c'est pas ça, et pas ça, on proclame, mais c'est ça qui est en dedans. En vérité, il y a des gens qui l'ont, même s'il va dire son 23, berger en dedans. La marche à berger, la courir à berger, et pas son 23 qui fait bon Dieu berger. Mais c'est ça, c'est ça lui en dedans. C'est ça lui en dedans. Et en vérité, même si on rive en l'air, machine prête chavir avec, pas occupé, le berger est là. Pas de rien qu'à priver, man. Aïe, aïe, aïe. Sans papa et permission, parce que le berger habite en moi. Alléluia. Mes chers amis, et me plaît tout ça avant de terminer. Que même Jean, coupe belle, gardez, coupe l'éternel là. Il était chaviré. Même Jean la vie, regardez. Dès que vous vivez dans la sainteté, ou même monsieur fait grand prière, non. L'éternel a marché avec vous. La grâce accompagne. Et ça fait dans Jérémie 1er verset 12. Regardez qui ça, mon Dieu dit oui. Dans Jérémie 1er verset 12, Dieu dit je marche, j'honore ma parole. Jérémie 1er verset 12. Je veille sur ma parole. Je veille sur ma parole pour l'exécuter. Bon Dieu, c'est son seul barrage à veiller. C'est sur sa parole. C'est pas sous moi, mon Dieu veille. Regardez, est-ce qu'il y a une bonne vie attachée à la parole? Et en vérité, tout le monde qui a une vie qui est attachée à la parole, tôt ou tard, bon Dieu a retiré le côté lié. Est-ce que l'église est là? Depuis que vous attachez à la parole, bon Dieu, tôt ou tard, la vie est retirée. Côtoyez, ma soeur vient du comme ça. La vie doit être sanctifiée. Depuis là, vous sanctifiez, mon frère. La grâce de Dieu a été ça quand même. Pour venir retirer. Regardez, si je prends quelques exemples avec vous. Regardez, bon Dieu, regardez. Si vous prenez Joseph, bon Dieu, fait une balle en promesse.
Dieu dit, mais qui j'ai ma privé avec vous, mais qui compte ma privé avec vous? Frère Joseph, yon la gueule non plus. Yon retire non plus, yon vanni comme esclave. Quand yon vanni comme esclave, la kaye Potiphar, madame Potiphar, devait tomber dans le péché avec Joseph. Joseph dit, madame Potiphar, est-ce que nous mettons un grand mal devant Dieu? Joseph marchait dans la sainteté. Et puis la Bible nous dit, quand Joseph marchait droit, texte a dit, Dieu fut avec Joseph. Dieu marchait avec Joseph. Joseph entrait dans la prison. Il n'y a pas rien qui mérite la prison. Mais bon Dieu marchait avec lui. Bon Dieu entre dans la prison. En vérité, il y a un monde qui a marché droit à bon Dieu. Il doit souffrir aussi. Mais demain, si Dieu veut, bagaille a changé pour la vie. Parce que la marché droit à bon Dieu. Les Joseph ont environ 2 ans en prison. Et puis bon Dieu dit Joseph, classe a fini. Tribulation finie. Ou a sorti et ma foi deuxième grande tête dans le pays d'Égypte. Bon Dieu, levez Joseph. Si ma prends deuxième exemple, Shadrach, Meshach, Abednego, dans Esaïe chapitre 43, verset 1 à 2, bon Dieu dit peuple là, si nous traversons le fleuve, si nous traversons de l'eau, gloire va couvrir tête tout. Il dit si nous passons dans du feu va faire nous rien. Et puis qui s'est passé? Shadrach, Meshach, Abednego, ou a dit nego, n'importe qui va prosterner devant, m'a mettre du feu sous lui, m'a brûlé là, dans la fournaise là. Et puis la Bible nous dit, il a chauffé la fournaise là 7 fois. Et puis, il a conduit nego pour aller dans la fournaise là. Et puis la Bible nous dit, les gens qui t'accompagnent, monsieur, ils sont tombés. Du feu a touillé. Et puis malgré du feu à touiller, monsieur, yo, Shadrach, Meshach, Abednego, il n'a pas avancé dans du feu. Ya. Du feu pas faire rien. Parce que bon Dieu veille sous parole. Ma chaîne vient sous pour me terminer. Dieu veille sous parole. Dès que vous vivez dans la parole de Dieu, du feu, les hommes pas faire en bataille. En vérité, dès que vous marchez avec la parole de Dieu, malfaite de la caille là, il pas faire en bataille. Parce que Dieu veille sous parole. Et me déclarer sous l'église là, que bon Dieu veille sous la parole. Qui a travers la vie, qui a marché dans la parole, qui a marché dans la sainteté et que tout tu fais, tu vas la gueule là-dedans en vérité, ou à rentrer là-dedans, ou à sortir, par rien qu'à priver, parce qu'on marchait dans la sainteté, que Dieu vous bénisse.